C'est bleu. Oui, oui, oui. Bonjour, compagnie de la Tesax V5. Pour Tesax Chronicles, ma gueule. Et ça rime. Et oui, et oui. C'est que je suis encore en train d'attendre Christophe. Parce que là, ça spawn de plus en plus, j'ai l'impression. Ah non, ça spawn pas. Putain, fais chier avec des chauves-souris, casse les couilles. Sa mère. Je dois éclairer, ça sert à rien. Elle est trop petite en fait, ma pièce, Christophe. Alors. Ou j'arrête de chanter. Quoi? Faut pas que je chante. Moi j'ai du pain. Merde. T'as du pain? Attends, ah c'est ce que je cherche. Oh non, c'est pas ce que je voulais. Ouais mec, moi tu sais que genre premier épisode, mon premier réflexe c'est bim, chant. Ah j'avoue. Moi c'est champion. J'avoue que j'aurais dû faire pareil mec. Parce que là Mais j'ai rien et... En fait après comme j'ai les... En fait comme j'ai les carottes et les patates, je me suis mis bien directement quasiment. Parce qu'après tu vois, j'ai directement planté. Mais la cuisse bonjour, au revoir. Donc Et il était Christophe. Il m'a assez. Il a subvenu quoi. Il a subvenu à mes besoins. Bon, qui donc aurait dans le Nether pour l'interrogation? Bah, moi. Et peut-être Comédie. Moi. Peut-être. Tous, vu que personne n'est encore passé chez Maxime, du coup. Mais tu, quelqu'un risque de passer par ton portail, Christophe, en fait. Non, non. Tous est linké au tien, du coup. Ouais, oh, tous. Non, si jamais, par exemple, moi je suis mon portail maintenant, je vais être linké au tien. Oh, je vais rester à côté tout le temps. Parce que c'est le premier qui l'a fait, en fait. Je vais rester à ton côté. Mais d'ailleurs, comment je vais faire, moi, un putain de portail, bordel de merde? Tu trouves de la lave. Mais justement! Je vais me faire cramer par de la lave dans le troisième épisode. Et ça, tu peux pas faire un générateur de cobble? D'accord. D'obsidian, je pense plus que ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Ouais. On avait testé, t'en souviens ou pas? Oui, oui, je m'en souviens, mais j'étais pas sûr que ça avait été patché. Ouais. Dommage. Ouais. Sinon, je l'aurais fait de ouf. C'est comme il y avait aussi des générateurs de stone à un moment. Genre de stone, hein, pas de cobblestone. Stone. Ouais, de stone. En fait, c'est tu dois verser de la lave sur un lac. Ah oui, c'est. Ouais, oh. En fait, ça génère de la stone. Bah oui. Tu peux jouer avec ça, genre tu vois, la faire couler un truc, elle tombe et ensuite tu peux récupérer de la stone avec genre une silicone. Si jamais t'as pas envie d'aller miner, je sais pas. C'est complètement stupide, ça sert à rien, mais voilà. C'est Minecraft. Alors, tout ce qui n'est pas stupide vous rend plus fort. Quoi? Les petits cochons, tout est là. Oh non, en fait, reste là, c'est bien. T'es bien là. Tu peux pas sortir en plus. Bouge pas. Attends, donc là j'ai fait la salle des lits. Biggie la cochonne. Christophe, ça t'embouche un coin, n'est-ce pas? Ça m'embouche un coin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Je vais continuer mes barres. S'il l'a pas déjà fait. Ça se trouve, il a peut-être fait, il a peut-être quitté la base du maximum aussi, hein, tout ça. Comment? Mais ça se trouve, en te donnant un peu d'argent comme ça en mode. Cinquième jour. Je dis rien à personne, fils de pute. Ah, je me rappelle de ce moment-là. C'est à longtemps. Je trouve pas ce que je recherche. Ces gouttes d'eau ne me. Ces gouttes rouges ne me font pas plaisir. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas des gouttes rouges d'eau. Nice, du James. Attends. Ce reste de la lave. Je suis pas dans les eaux. De la lave. J'ai tellement besoin d'or. D'or que je vais prendre des pommes. Je vais prendre des pommes. Allez, salut. Je vais dans ton biome, Alexandre. Hein? Ah oui. Pour les pommes. Non. Prends pas les arbres. Mais juste à la proximité du mien, quoi. J'en ai pris un seul, là, l'autre jour. Ah oui, j'ai plein de toi. Ici. De toute façon, on peut exploiter les ressources des autres biomes, hein. Non, mais sinon, il va découvrir ma base. Le bâtard. C'est ce que tu comptais faire, hein. Là, il y a un bébé lapin albinos.
Trop mignon. Oh, je l'ai croisé moi aussi. Allez, come here. Come here, you little cunt. Wait. Jamais il y a des frites, je suis désolé, hein, c'est parce que. Les gars, c'est... pour celui qui doit assaut Maxo, vous... Maxime, vous devez. Maxo. Oh ouais, j'avoue. Kumanji. Oui, quoi. You have one job. Si tu trouves son drapeau, tu dois juste faire un portail du Nether. Et tu peux aller chez lui. Son drapeau plutôt. J'entends des mobs, sa mère. T'as entendu une explosion, ça vient de chez moi. Holy shit! Mec. Je passe à côté de ma pièce, j'ai trop peur, rien contre les bruits, mec. D'où vient ce cri? Salut. Comment j'ai... Rien, je me suis pété la gueule dans ma propre base. J'ai eu un coup de panique. Je mange du mouton cru devant des moutons, je suis un sadique. Non, c'est caché là. Oh putain. Bon, ça va. Non, j'ai perdu mes 19 levels d'XP. Oh. Tu sais que tu veux toujours pas assaut Alexandre, Christophe. Bah oui, je sais. J'ai peur, hein. Et en plus, moi je peux l'assaut, mais je. Non. Bah t'as été. Comment ça, tu peux l'assaut? Bah j'ai trouvé son truc. Bah tu dois aussi aller dans le laser, hein. Ah oui, non, oui. Merde. C'est pour ça que je me suis fait niquer tout à l'heure. Merde, c'est vrai. Putain, Maxime, t'es un bâtard! Mais non, c'est grâce à lui que t'es... Que je ah bah oui, pas. J'avoue, non, avec Maxime, je t'aime. Je sais. Attends, mais lourd, je peux faire ma table d'enchante. Lourd. Attends. Le moment fatidique. C'est là que je rate le craft. Alors... Est-ce bien comme ça? Oui, non, il en faut deux. Hop. Depuis le départ, j'en avais besoin de deux. Oh putain, je suis un gogol de la street, putain. Table d'enchantement. Oh, il paie la pioche. Vite. Je reste à que je suis pioche. Mais moi, j'ai trouvé une astuce pour pas me faire envahir. C'est. Je pose des blocs à l'entrée de ma base. Jack super méga technique. Tu vois, ma base elle est tellement spotée, tu es d'extérieur. Mais moi aussi en fait. Genre mon drapeau, je le fais bien haut, hein. Mon drapeau pour se faire relève à la base, je vais genre. Mais moi, si tu rates ma base, c'est que t'as vraiment, vraiment un problème. Aux yeux. Bon, moi, j'arrive pas à m'y faire en couleur. Tu vois, genre par exemple, quand j'ai vu drapeau bleu capturé, j'ai fait oula, c'est moi. Ah bon? Eh ouais, j'arrive pas à m'y faire. Bah, le bleu, c'est moi quoi. Moi, je me suis fait vite. Ouais, c'est à l'habitude. C'est souvent comme ça les couleurs. Je vais avec les deux crétins là. Comment je dis ça de voix? Quel deux crétins? Tu vas? Allô? Mmh. Eh. Sur téléphone. C'est bon, on n'entend rien, mec. Ma femme est une carrière. Et ma femme est une carotte. Et rond, petit pâte à pont. Oh, trop cool. What the fuck? Fuck. On fout, j'avais que deux levels. Vas-y, achève pour rentrer dans le portail, hein, mec. Coucou. Oulala, là, ça fait être sec. Oh, putain, j'allais dire c'est le contraire. Là, ça aurait été. Putain de pété. Tu veux pas m'asseoir, tu sais? Je sais. Sans blague, le mec il veut juste se barrer.
Non, il est même pas passé dans mon portail, il passe par ma base en fait. Ah ouais, le bâtard. Attends, mais. Ah ouais, j'avoue. Attends, mais. Petit... Mais tu peux pas poser de bloc au-dessus de ma base, trou de cul, va. Bah, j'ai rien posé. Cul. Eh mec, j'ai un pas pour t'aider. J'ai rien. J'ai pas de stuff. C'est ma vengeance tout à l'heure. Je t'ai tué 3 fois. Bah voilà. Ça fait 3. Mais quoi, putain, tu casses tes couilles là. Christophe, attends, je vais te donner un truc. Et rond, petit pas tout à fond. Ma femme met une carrière. Putain, mais ils font. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, ouais. Voilà, on a fait un petit pacte. Voilà, ça triche. Ouais, voilà, ça cheat, hein, fils de pute. Ah là là. Il fait beau, hein. Le pire, c'est que je pensais que Maxime il m'attendrait en full diams. Mais non, tu m'aurais défoncé, t'aurais pris mon armure. C'est vraiment le truc qui t'aurait rendu cheaté là. Oh, salut Koumenji. Get out of the fucking way. Ouais, ma piss you off. Bref. J'avoue, y'a pas moyen de louper ta base. Ouais, t'as vu. Maintenant, est-ce que c'est là qu'il va y avoir le lit? Est-ce que mon drapeau n'est peut-être pas caché en plein milieu de la jungle? Ta gueule, l'araignée, là. Ça, casse-toi. Personne ne sait, hein. Casse-toi. Ah. Avec tout mon stuff, ça. Maxime, ta salle était remplie de mobs cette fois-ci. J'étais resté à côté pendant presque un épisode entier, Christophe. Et c'était quoi votre pacte de triche là? Bah, tu m'as donné les 4. Les 4 Nether Drakes que j'ai miné plus tôt quand ils les avaient volés. Vous avez fait ça? Mais Maxime, t'as. De toute façon, j'allais le tuer en boucle. Bah ouais, bah tu perdrais du temps toi-même. Donc c'est pas rentable pour toi. Bah, en fait, Maxime avait juste à attendre. Ouais, mais moi aussi, si j'attendais le jour, ça allait dépop en bas. Si j'empêchais Maxime d'aller en bas, ça allait dépop. Maxime, tu t'es fait rouler dans la farine. Ça, j'aurais trop voulu te montrer mon squelette qui reste bugué. Ah ouais, sérieux? T'as une statuette de squelette maintenant? Ouais, j'ai une statue de squelette dans ma base à champignons. Donc faut le mettre où, son truc de nether brick là? N'importe où. N'importe où. Bon, et c'est pourquoi on a rigolé après? Tu sais pourquoi on a rigolé après les... J'ai peur là. Et j'ai envoyé en privé. On va bien niquer comme ça. La stratégie de bâtard. Le pire, c'est que je me suis dit, ok, il va m'attendre en full game, c'est sûr. Il va préparer un saut de lave et tout. Je vais en part derrière, je vais le défoncer comme ça, je vais prendre son stuff. Et j'ai taffé, j'étais en rien. Il était tout nu, il avait rien du tout. T'as juste pris des XP là en fait. Ouais. Oh nice, t'avais un arc. J'étais en train d'essayer de m'en faire un. T'es sérieux? Moi y'a mon... Des squelettes, mon Androop 4. Ah non, what? Moi 0. Et ouais, ma gueule. Chacun un seul dans n'importe quoi. Et après on se dit pas chanceux. Moi, attends, ça va, c'est des arcs, c'est tout. Mais nous, qu'est-ce que j'ai eu de lucky? Pour l'instant, dites-moi. Maxime, avec tous les mobs que t'as toujours pas des fils pour faire un putain d'arc? Mais si je me confronte à ces mains, je meurs. T'imagines. Mais t'es full diams. Mais même, c'est la violence, n'est-ce pas, Christophe? C'est la violence. Oui. Ah bon, c'est vraiment? T'es pas censé crever. Mais il y avait genre 20-30 mobs ou quoi? Ah oui. Mec, easy, 1v1. Un V10, ouais.
Il a vu mes porte-armure, ce bâtard. Ouais. GG, je lose. Oups. J'adore les porte-armure, je sais pas pourquoi. On s'en était pas rendu compte. Ouais, on en avait pas la moindre idée. Je non. Bon bah du coup, je signe mon arrêt de mort, hein. Bah, à ton avis, le mec il fait tryhard pendant tout un épisode pour avoir l'objectif. Tout, fallait bien que j'ai tout ça dans le but de me buter la race. Et moi je lui passe pour qu'il réussisse l'objectif. Ah, parce que de base il avait pas. Ben non. Si, il est passé par derrière moi. Ah, de base j'avais miné la Nether truc là. Ah ouais. Maxime, t'es plus mon ami. Alexandre. Je vais te niquer. Je vais te niquer. Tu m'as buté, mec. Tu m'as niqué. C'était le but. C'était drôle. Le bâtard. Il m'a niqué. Ouh. That love too. Il y a mes cochons qui font. J'ai failli m'étouffer. What? Ouais, j'ai voulu failli mettre le bruit du cochon, mais. Oh non, pas le creeper, s'il vous plaît, non, pas lui, blablabla. Bonjour. Mais. Oh, là, non! Putain, il y en avait un deuxième. Ah, le bâtard! Il a tout pété, ce bâtard! Oh, qu'est-ce que je me fais envoyer par le cochon? Putain, ma baraque, ouais. Oh, non, il y en a un troisième. Je casse loin d'ici. Il y en a un quatrième. Il y en a un cinquième. Je plonge dans l'eau, salut. Non, mais vraiment, là, je dois vraiment plonger. Putain de fils de pute. Tiens, crève. Tiens. Putain, mais vous allez pas me faire chier, vous moi, aussi, là. Ma salle à lit, tout le monde connaît le système. En tout cas. On veut pas faire de minecart. Non. Y'a pas de truc avec l'info où il faut activer un bouton ou quoi que ce soit. Mais non, il a explosé mes cannes à sucre, maintenant. Je sais pas, mais ce truc à secouer, c'est pas ce que je veux dire. Espèce de bâtard. Là, mon gars, ça va chier. Il en reste combien? Je suis en train de mettre l'ulti. J'ai mal à la gorge. Redstone, ah, du coup, la voix badass. Ah, oh, ça fait non, mal. Non, moi je suis rien en redstone, perso. Rien du tout. Moi, en tout cas, tout le monde connaît. Sauf moi, peut-être. Si, même toi. Peut-être qu'on connaît, mais on va pas y penser. Ouais, c'est ça. What the fuck. Genre, moi je connais plein de trucs, hein, mais bon. Salut, quoi. Oh, j'ai une carotte! Oh le bâtard! C'est pas vrai, t'as vraiment ça. Oh le bâtard! J'étais là en mode. Oh la petite carotte, elle est belle, tout ça. What? Comme une petite patate. Alors, pas ça. J'aurais jamais dû construire ça la nuit, bordel. Sans deck! Surtout que j'ai pas encore de toit, bordel. Imagine qu'on dirait faire ça dans la nuit. Chez moi! Bon, il me faut un peu de terre, donc là je vais faire. Mais tu sais pourquoi je suis mort par une araignée? Parce que je savais par où t'étais passé, Christophe. Et donc j'étais en train d'essayer de reboucher, enfin de casser les blocs. Ouais, tu comprends pas. C'est par la petite butte qu'il y a sur le côté là. Tu sais qu'en plus je trouvais pas ta base au début, j'ai fait le tour en fait, et alors je suis là. En fait, je vois pas la base de Maxime. Et alors, il me dit, ouais, c'est un truc super visible et tout. Alors, je. Ok, faut que je me dirige vers le début et ça sera bon. Et alors, j'ai trouvé. Avoue que c'est Bius. Et puis là, j'entends comme il dit aussi, c'est super visible. Alors, je pars du biome de Maxime. Et là, je vois son truc comme ça à l'entrée. Bah, ouais, moi, je suis pas foulé. Hein. Mais t'as vu comment je croyais. J'ai mis mon drapeau hyper haut pour qu'on le remarque bien à la distance. En fait, le problème, c'est que j'avais oublié que si on avait transformé en biome champignon. Enfin, que c'était un biome champignon. Ouais. Et du coup, bah, tu vois, je me suis pas dit, ah ouais, tiens, c'est un biome champignon. Du coup,
j'ai pas réalisé et voilà. Mais putain de squelette qui me casse les couilles. Du coup, je suis resté à l'entrée de la grotte alors que je pouvais très bien rentrer plus profond. Voilà. Ouais, mais tu le te le dis souvent. Jamais, dégueule. Faut pas qu'elle regarde la vidéo. Elle regarde pas mes vidéos. Je vais pas du tout faire la promotion de l'œuf quoi, je. Bon bah je vais prendre des œufs, je. Ok, oh, je pense que les poules y en a assez, maintenant vous allez crever, bande de pute. Oh, oh putain. Ça fait. Ça fait. Non, j'ai plein de boucliers grâce à Christophe. Comment ça, j'en ai eu une fois. Ouais, mais j'ai pu réparer le mien quoi. C'est vrai que c'est fort coûteux un bouclier. Un fer. Oulala. Je suis dans la merde maintenant. Poids du bois, ouais. Je suis rend les gars. J'ai plus de ressources. Ah bon? Moi je comprends pas comment vous êtes en déj de diamant, j'en ai encore 55 moi. Ouh. J'en ai exactement 3. À part mon armure et mes outils, j'en ai pas. Mais bon. Putain, j'ai déconné. Hello. Là, dans mon coffre. It's me. Bon, je pense que c'est la fin de l'épisode aussi. Min California Dream. Ça soit la fin. Ah mais non, c'est le dernier. Non, 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 le dernier qu'on peut tourner. Non, non, non. Mais je pense que c'est la fin là. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. On a 21 minutes quand même. On va se laisser là-dessus. Ouais. Et on se retrouvera dans le prochain épisode. Non. Si la portez-vous bien. C'est pas vous.